Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je me nomme Christine. Aujourd'hui nous allons étudier les traitements des maladies occasionnées par le coronavirus. Le coronavirus est de nature virale, et cela enlève toute efficacité aux traitements antibiotiques ou bactériophagiques qui sont, eux, destinés aux infections bactériennes. Dans le cas du SARS-CoV, divers traitements ont été utilisés pour tenter d'enrayer l'épidémie. Les plus fréquentes ont été la ribavirine, un analogue de nucléotide, des anti-inflammatoires stéroïdiens, et, après identification formelle du pathogène et des criblages de sensibilité, l'interféron alpha et des inhibiteurs de protéase. L'efficacité de ces traitements est cependant sujette à caution. Aucun n'a fait l'objet d'une étude clinique adéquate. L'analyse des études disponibles a montré qu'une grande partie d'entre elles ne permet pas de conclure, car elles ont été réalisées sur de petits nombres de sujets ou bien sans protocole ou dose fixe. De plus, certaines d'entre elles indiquent même que ces traitements pourraient avoir nuit à l'éradication du virus. Pour ce qui est des vaccins, l'éradication rapide de l'épidémie n'a pas laissé place à beaucoup d'essais cliniques. Un vaccin de virus inactivé, de même que d'autres, fondés sur les protéines SN, sont à l'étude depuis plusieurs années. J'en ai terminé avec ce cours sur les maladies occasionnées par les traitements des maladies occasionnées par les coronavirus. Et je vous